네, 복음이라는 단어가 나와요. Voilà, il y a un mot, l'évangile. 그리고 또 굉장히 중요한 단어가 나와요. Il y a un deuxième mot qui est très important. 하나님의 의. La justice de Dieu. 네. 자, 복음이라는 단어와 Il y a le mot, l'évangile. 하나님의 의. Et la justice de Dieu. 그리고 믿음이라는 말. La foi. 그렇죠. N'est-ce pas? 그래서 이제 이 로마서 1장 17절에 정말 중요한 말씀이 복음. Donc dans Romains chapitre 1 verset 17, cette parole qui montre tous les éléments de l'évangile. 그리고 하나님의 의. La justice de Dieu. 그리고 믿음. Et la foi. 네. 여러분, 자 여기에 하나님의 의라는 말이 있어요. Donc j'ai bien aimé il y a un mot ici qui existe la justice de Dieu. 우리 목사님들은 굉장히 지혜롭고 또 지혜로운 마음을 가지신 분들이니까 금방 이해하실 거예요. Vous êtes leader chrétien, vous êtes très sage à la parole de Dieu, donc je crois que vous comprenez très bien le mot la justice de Dieu. 그 여러분 성경에는 의라는 말이 두 가지가 나와요. Il y a deux sortes de la justice que la Bible a décrit dans la Bible. 첫 번째는 하나님의 의. La première justice, c'est la justice de Dieu. 두 번째는 사람의 의가 있어요. La deuxième justice, c'est la justice de l'homme. 사람의 의로움. La justice de l'homme. 나의 진실함. C'est comme la sincérité. 나의 깨끗함. La fidélité, la purification. 내 의로움. Donc, ma justification. 이 성경에는 하나님의 의로움이 있어요. Oh, mais dans la Bible, le mot c'est la justice de Dieu. 우리가 운동장에서 말씀을 들었습니다. Nous avons écouté la parole au stade. 저는 거룩합니다. 저는 거룩합니다. Donc je suis sanctifié. 저는 의롭습니다. Je suis justifié. 의로움이라는 거는 Donc être justifié. 나의 의로움이 아니에요. Ce n'est pas que je suis justifié par ma propre justice. 나의 의로움은 Je suis justifié. 내가 거짓말을 하거나 Ce n'est ni ma justice qui contient 내가 도둑질을 하거나 si qui doit être privé. 내가 잘못하면은 Et puis si je fais des erreurs 더러워져 버려요. Maintenant, ma justice sera salie. 나의 의로움은 Mais ma justice 깨져버려요. Doit être privé si Kurama hananimi selon mes actes. Mais la justice de Dieu 절대 변하지 않아요. Ne sera jamais privé. 하나님의 의로움은 Parce que la justice de Dieu est éternelle. 그 하나님의 의를 가진 사람을 Donc celui qui a la justice de Dieu 의인이다 On appelle ça il est juste. 그리고 우리가 나는 의롭습니다라고 말하는 사람은 Donc disons que celui qui est juste 내 의를 깨끗하게 한 게 아니고 Ce n'est pas que il contient sa propre justice. 거룩한 하나님의 의를 가지게 된 거예요. Il a obtenu la justice de Dieu qui est sainte. 아멘. 아멘. 그러니까 하나님의 의를 내가 갖게 된 거예요. Ça veut dire qu'il a obtenu la justice de Dieu qui est sainte. 하나님의 의는 Donc quelle est la justice de Dieu? 복음에 있다고 그랬어요. La justice de Dieu se retrouve dans l'évangile. 복음이라는 거 안에 Donc dans l'évangile 하나님의 의가 있어요. Donc il y a la justice de Dieu. 그래서 내가 복음을 받아들이면 Donc ça veut dire que si j'accepte l'évangile de Dieu 하나님의 의를 갖게 된 거예요. Maintenant j'obtiens aussi la justice de Dieu. 아멘. 아멘. 여러분, 자, 내가 이 옷이 오래 입어서 더러워요. J'ai bien aimé. Moi, par exemple, ma chemise est devenue sale. 그러면 이제 깨끗이 세탁하겠죠, 씻겠죠. Donc je dois laver, n'est-ce pas? 다시 깨끗해졌어요. Maintenant, ma chemise sera encore propre. 또 며칠 지나면 더러워지. Mais quelques jours plus tard, ma chemise sera encore sale. 이해했어요? Comprenez-vous? 그거는 자기의 의예요. Parce que ça appartient à moi. 그러나 하나님의 의는 Mais la justice de Dieu 더럽혀지지 않아요. Ça se salit jamais. 거룩한 하나님의 의는 Parce que la justice de Dieu Ça ne change jamais. 영원한 거예요. C'est éternel. 그 하나님의 의를 하나님이 우리에게 주신 거예요. C'est pourquoi Dieu il nous a donné sa justice à l'égard de nous. 여러분 우리가 의롭습니다. Donc, si disons que je suis juste, 저는 깨끗합니다. Je suis pur. 그거는 나를 깨끗한 게 아닌 것이고. Ça veut dire que ce n'est pas que ça vient de moi-même.
하나님의 깨끗함을 받아들이게 됐다는 거예요. J'ai reçu la justice de Dieu, la purification de Dieu. 아멘. 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 그 하나님의 의가 복음에 있어요. Donc cette justice de Dieu contient l'évangile. 그 하나님의 의가 어디에 있다고요? Donc cette justice de Dieu se retrouve où? 복음에 있어요. Dans l'évangile. 그러면 이 복음을 내가 믿으면 Donc si je crois simplement à cet évangile 복음을 믿으면 Si je crois à cet évangile 복음이 내 안에 들어오게 돼. Maintenant l'évangile entre en moi. 그래서 내가 하나님처럼 깨끗하게 된 거. C'est pourquoi je peux être purifié comme Dieu. 자, 여러분에게 묻겠습니다. Donc, maintenant je vais vous poser la question. 여러분 의롭습니까? Êtes-vous juste? 네. 아, 대답 안 하고 Mais celui qui ne répond pas, il seulement inclina la tête. 이런 분들은 의심스러워요. On doit encore vérifier. 말씀에는 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 그래. Parce que la Bible a aussi dit que par la confession de la parole, et puis nous sommes sauvés, n'est-ce pas? 제가 다시 묻습니다. Voilà, je vais encore vous poser la question. 여러분 의롭습니까? Êtes-vous juste? Oui. Oh, yeah. Oui. Oui. 좋습니다. Très bien. 여러분 이 복음을 믿습니까? Croyez-vous à l'évangile? Oui. 어떻게 믿었어요? Mais comment vous avez cru à l'évangile? 여러분 로마서 10장 17절에 보면 Donc Romains chapitre 10 verset 17. 믿음은 à la foi 들음에서 생긴다고 그래요. Vient de ce qu'on entend. 믿음은 la foi 기도에서 생기는 게 아니고 ce n'est pas que ça se produit par la prière 믿음은 la foi 들을 때 생긴대요 vient de ce qu'on entend 이 들음은 ce qu'on entend 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 ça vient de la parole de Jésus-Christ 그리스도의 말씀이 복음이에요 ça veut dire que la parole de Jésus-Christ est l'évangile 말씀을 들으면 믿음이 생기는 거예요 si je crois à la parole ça veut dire que je crois en Dieu 제가 어제 그제 그그제 운동장에서 막 눈물이 날라 그랬어요. Donc depuis trois jours j'avais les larmes aux yeux. 수많은 사람들이 하나님을 사랑했어요. Parce que au stade je voyais beaucoup de gens ils ont aimé Dieu. 또 우리 목사님들도 하나님을 사랑했어요. Même aussi les beaucoup de pasteurs ils ont aimé Dieu. 목사님이 말씀을 전하셨어요. Donc quand le révérend prêchait 나는 행복합니다. La parole vous dit que je suis la plus heureuse au monde. Gabon은 됩니다. Gabon, au Gabon, tout est possible. 여러분 그 말씀을 들을 때, quand on entend cette parole, 믿음이 만들어져. Maintenant la foi s'est produit en nous. Amen. Amen. 그래요. C'est ça. 자, 제가 이제 복음을 이야기할 거예요. Que je vais encore expliquer l'évangile. 요한복음이에요. Jean chapitre 8. 이 복음 안에는 Dans cet évangile, 하나님의 의가 있어요. Il y a l'évangile de Dieu. 요한복음 1장부터 쭉 읽어보면 donc, 8장에 Donc ici nous lisons Jean, le livre de Jean, dans Jean chapitre 8. 한 여자가 죄를 지었어요. Il y a une femme s'est prise en flagrant délit d'adultère. 네, 간음이라는 죄를 지었습니다. Donc elle a commis un péché d'adultère. 너무 부끄럽죠. Vraiment, elle était très honteuse. 제가 여러분에게 간음했습니까? 라고 묻진 않겠어요. Non, je ne vous pose pas la question, est-ce que vous avez commis l'adultère? 저는 너무 괴로웠어요. Mais moi, j'étais beaucoup souffrant. 예쁜 여자만 보면 막 가슴이 콩닥콩닥 뛰었거든요. Parce que quand, depuis que j'étais petite, si je vois une belle femme, mon cœur battait. 그래도 마태복음에 여자를 보고 음욕을 품으면 이미 간음했다. Mais dans le livre de Matthieu, déjà celui qui convoite déjà une femme dans son cœur, il a commis le péché. 직접 간음하진 않았어요. Oui, moi je n'ai pas commis l'adultère sur place ou bien physiquement. 근데 하나님 보실 때는 간음. Mais aux yeux de Dieu, moi j'ai commis l'adultère. 여러분들은 너무 깨끗하신 분들이죠. Mais vous êtes différent avec moi, n'est-ce pas? Vous êtes très pur, ce n'est pas ça? 네, 깨끗할 거예요. Je crois que vous êtes très pur. Vous êtes différent de moi. 이렇게 멋있는 목사님이 무슨 죄를 지켰어요? Parce que vous êtes très beau et vous êtes très belle. Comment vous pouvez commettre l'adultère? 못된 나만 죄를 짓지. Moi, je suis très méchant. C'est moi qui commets l'adultère. 근데 여러분, Mais, 이 요한복음 8장에 이제 무슨 일이 있었냐면 Dans le livre de Jean, qu'est-ce qui s'est passé? 아침에 일찍 예수님이
성전으로 들어오셨어요. Donc Jésus, il était entré dans le temple. 중요합니다. Et puis en prie, après avoir 아침, prié. 아침이에요. Et puis c'était le matin. 아침에 예수님이 성전에 오셨어요. Donc le matin, il était entré dans le temple. 그때 이제 사람들이 문을 열고 막 들어왔어요. Et puis les gens ils ont commencé à entrer à la ville. 예수님 주변에 사람들이 막 몰려들었어요. Et puis les gens commençaient à se réunir auprès de Jésus. 예수님은 하나님의 말씀을 전해주고 있었어요. Et puis Jésus était en train de partager la parole de Dieu. 천국은 자기 아들을 위하여 혼인을 베푼 어떤 임금과 같다. Donc le royaume des cieux c'est comme une noce que son père a organisé. 예수님 여러 말씀들을 하고 있는데. Pour son fils, donc il était en train de partager ce genre de paroles. 갑자기 문이 있잖아요. 팍 열리는 거예요. Mais un jour, c'est un coup, la porte était ouverte. 그리고는 사람들 비켜봐. 그러면서 막 들어왔어요. Donc les gens criaient, oh, quittez. 그리고는 이 여자를 Et puis ils ont mis une femme au milieu de le peuple. Et puis ils ont dit à Jésus. 예수님, toi Jésus. Cette femme est surprise en flagrant délit d'adultère. 이런 여자는 율법에 돌로 쳐 죽여야 됩니다. Donc selon la loi de Moïse, elle doit être lapidée. 여러분 십계명에 간음하지 말라라는 법이 있어요. Donc dans la loi de Moïse, comme 10 commandements. 간음하면 돌로 쳐 죽이라고 그랬어요. Donc si on commet l'adultère, on doit être lapidé, n'est-ce pas? 와, 저는 돌에 쳐 죽어야 돼요. Donc moi je dois être lapidé plusieurs fois. 자, 대답해 보세요. Voilà, répondez-moi. 간음이라는 죄는 여자 혼자 짓는 거죠? Pour commettre l'adultère, c'est une femme seule qui est coupable, n'est-ce pas? 그 남자는 어디 있어? Mais l'homme, comment fait? 불가능합니다. 근데 지금 이 여자 혼자 왔잖아요. Mais maintenant, on voit seulement cette femme, une femme dans cette histoire, n'est-ce pas? 아마도 도망갔을 거예요. Je pense que l'homme, il a pris la fuite. 아니면 벌써 죽였을 거야. Ou bien c'est on a déjà lapidé l'homme. 예수님에게 데리고 왔어요. En tout cas, la femme a été amenée. 자, 여러분 이 여자는 devant Jésus. 이 여자는 간음이라는 죄를 지었어요. Donc cette femme, elle a commis l'adultère. 자, 대답해 보세요, 여러분. Alors, répondez après moi. 여러분들은 이번에 말씀 들었으니까. Donc comme vous avez écouté la parole. 이 여자는 죄가 있어요, 없어요? Au stade. Voilà, est-ce que elle est pécheresse ou bien elle n'est pas pécheresse? 지금 간음하다가 잡혀왔어요. 간음하다가. Voilà dans l'histoire de la Bible, elle est surprise en flagrant délit d'adultère. 여자 죄 있어요, 죄 없어요. Donc elle est coupable ou elle n'est pas coupable? 죄가 있습니다. 죄 있지요. Elle est coupable, n'est-ce pas? 죄 있지요. Elle est coupable. 대답을 안 하시네요. Mais vous ne répondez plus? 여러분, 저 시간 없어요. Moi, je n'ai pas le temps, bien aimé. 오늘 조금 있다가 바로 한국 가야 Parce que 돼요. Tout à l'heure, je dois prendre le vol pour partir. 그래서 지금 이제 좀 있으면 바로 출발해야 되거든요. Donc, je dois vite quitter ici. 할 말이 많은데. Mais j'ai beaucoup de choses à dire. 대답 안 하면 나는 어떻게 해요? 가지도 Donc, si vous ne répondez pas, moi, je suis découragée. 대답 잘해 주세요. Donc, répondez bien, s'il vous plaît. 자, 이 여자 죄 있어요, 없어요? Donc cette femme, elle est coupable, elle n'est pas coupable. 죄가 있습니다. 여러분 바보예요? Mais c'est un peu bizarre. 아, 말씀 계속 들었잖아요. Mais vous avez écouté la parole au stade d'un giant depuis quelques jours. 말하는 대로 됐는데 이 여자 죄 있어요, 없어요? En fonction de la parole, la foi, n'est-ce pas? Donc elle est coupable ou pas? 금방 바꿨네. En tout cas, notre parole a vite changé. 자, 죄가 없어요. Elle n'est pas coupable. 왜 죄가 없는지 볼게요. Donc, je vais vous montrer pourquoi elle n'est pas 예수님이 coupable. 예수님이 손가락으로 땅에 막 글을 썼어요. Voilà, Jésus, il a dessiné, il a écrit au dos. 뭐라고 썼는지 avec 몰라요. Avec le doigt, pardon, sur le sol. 그걸 계속 물었어요. Qu'est-ce qu'il a écrit? 예수님, 빨리 말하세요. Donc, on est en train de chasser Jésus aussi. 사람들은 아주 악한 사람들.
Donc les gens étaient aussi très méchants. 예수님이 딱 일어서서. Donc quand Jésus s'est levé. 어, 이 여자 죄 있네. 아, vous dit que elle est coupable. 그러면 말씀대로 이 여자 돌로 쳐 죽여. Donc comme selon la loi de Moïse on doit la lapider. 그럼 사람들은 그럴 거예요. Dans ce cas, les gens vont dire. 너는 하나, 너는 메시아가 아니구나. Ah, donc alors tu n'es pas un messie. 메시아는 죄인을 구원해 줘야. Est-ce qu'un messie, il doit sauver les gens? 메시아가 죽이라고 그러면 말이야. Donc un messie, si on demande de la tuer, ça veut dire qu'il n'est pas sauveur. 그 예수님이 살려줘라. Mais si autre, si par contre le Dieu a dit, voilà, sauve-la. 하나님의 아들이 아니다. Ça veut dire que tu n'es pas l'homme de Dieu. 하나님의 아들이 하나님의 법을 왜 어기냐? Tu n'es pas le fils de Dieu. Comment tu peux transgresser la loi de la parole? 예수님이 두 가지 대답을 다 해도 문제가 되는 거예요. Ça veut dire que même si Jésus répond de toutes sortes de la parole, la réponse 살려라 그러면 또 문제가 되고. Jésus ne peut pas s'échapper. Donc Jésus, s'il va dire sauve-la. 죽여라 라고 해도 문제가 ça 되는 거예요. Ça aussi c'est pas bon. Donc si même il va dire aussi tuez-la. Ça aussi c'est pas bon pour lui. 똑똑해요. Donc les gens étaient très intelligents. 두 가지 다 함정을 봐가지고 예수님을 고소하려고. Donc ils voulaient mettre le piège pour accuser Jésus. 예수님에게 질문했어요. Donc Jésus a dit. 예수님이 손가락으로 쓰시더니. Après avoir écrit avec le doigt au sol. 한마디 하셨어요. Il a dit une parole. 너희 중에 죄 없는 사람이 돌로 먼저 쳐라. Parmi vous, ceux qui ne sont pas coupables, lapidez en premier. 여러분 예수님의 말씀은 빛과 같아요. No, la parole de Jésus est comme la lumière. 사람들은 자기들의 마음을 다 숨겼어요. Mais le, tout le monde a caché leur cœur. 이 여자를 데리고 왔을 때, donc quand ils ont amené cette femme, 이 나쁜 여자, tu es méchante. 이 악한 여자, tu es méchante. 자기 마음은 몰랐어요. Mais ils ne connaissaient pas leur propre cœur. 근데 예수님이 죄 없는 사람이 돌로 쳐라라고 했을 때. Mais quand Jésus a dit celui qui n'a pas commis le péché, lapidez en premier. 예수님의 말씀이 귀에 들려오면서. Donc quand ils ont écouté la parole de Jésus. 자기 마음에 있는 죄가 생각이 난 거예요. Maintenant ils se sont rappelés de le péché qui était en eux. 그래서 처음에는 나는 이 여자보다 깨끗해. Donc en apparence ils étaient en train de dire que je suis plus propre que elle. 나는 이렇게 살지 않았어. Moi je n'ai jamais vécu comme ça. 바르게 살아야지. On doit vivre proprement. 말씀을 딱 듣는 순간. Mais quand ils ont écouté la parole de Jésus. 아, 난 죄가 있구나. Ah, je suis coupable. 그리고 들고 있던 돌을 내려놓게. Donc ils ont commencé à déposer les pierres, les cailloux. 그리고. Donc 이 여자 옆에 다. 앉아 있었다면 얼마나 좋았을까요? Donc mais aussi ce serait bien que ils étaient restés à côté de la femme, n'est-ce pas? 근데 거기에 있는 사람들이 다 나가 버렸어요. Mais les gens ils se sont retirés. 부끄러워하면서 다 나갔어요. Parce qu'à cause de la honte. 그건 잘한 게 아니에요. Mais ce n'était pas bon pour eux. 여자만 남았어요. Donc c'était la femme qui était restée. 예수님이 여자에게 이렇게 말했어요. Donc Jésus lui dit, 나도 너를 정죄하지 않겠다. Je ne te condamne pas non plus. 여러분 이거 한국말로는 뭐라 뭐라고 돼 있는 줄 아세요? Est-ce que selon la version coréenne? 너 죄 없다. Ça veut dire que tu n'as, tu n'es. 너는 의롭다. Tu es innocent, tu es juste. 너는 깨끗하다 이 말이에요. Tu es propre. 아멘. 아멘. 네. 여러분 예수님이 거짓말하는 걸까요? Est-ce que Jésus a menti? 어, 이 여자 지금 죄 짓고 왔잖아요. Mais pourtant elle est coupable, elle a commis péché. 여러분, 그 출애굽기에 보면 예수님이 나는 죄 있는 사람을 죄 없다 하지 않는다 그랬어요. Donc même dans la Bible Exode, c'est je n'appelle pas pécheur comme pécheur. 예수님은 죄가 있으면 죄 있다. Ça veut dire que Jésus il doit suivre la parole de Dieu. Si il est un pécheur, il doit dire il est pécheur. 죄가 없으면 mais si il est innocent, 죄가 없구나. Jésus aussi il peut dire qu'il est innocent. 예수님은 거짓말을 못해요. Parce que Jésus ne peut pas mentir. 그러면 이 여자에게 예수님이 너 죄 없어. Donc si Jésus avait dit à cette 어? Femme, tu es innocente. 너 거룩해. Tu es sainte. 너 죄 없다니까. Tu n'es pas, tu n'es plus pécheur. 그러면 그만한 이유가 있는 거예요. Il y a aussi la raison pour laquelle Jésus a dit ça. Amen.
예수님은 죄 있으면 있다고 그래요. Parce que si Jésus a dit, 모든 사람들은 이 여자 보고 간음이라는 게 elle est pécheresse, il doit dire c'est elle est pécheresse. 근데 예수님은 이 여자에게 죄가 없다라고. Tout le monde l'accusait cette femme. Mais Jésus seul a dit, 보겠습니다. Je ne te condamne plus. 네, 한번 볼게요. On va regarder cette vidéo. 구약 시대에 사람이 죄를 지으면 죄의 대가는 사망이니까 어린 양을 데리고 가. Donc un peuple commet le péché parce que le salaire de la mort est le salaire du péché est la mort. 데리고 가면 Donc il a amené une victime, une offrande. 흠이 있는지를 살펴봅니다. Donc le sacrificateur vérifie l'agneau. 흠이 있는 것을 확인하고 Donc vous voyez que il y a tache ou rien. 어린 양의 머리 위에 안수를 하게 돼. Donc le peuple a commet le péché, maintenant il pose la main sur la victime. 그 사람에게 있는 죄가 le péché qui est en lui 양에게로 넘어가게 됩니다. 또 양에게 있는 깨끗함은 voilà, maintenant c'est 이 사람에게로 건너오게 됩니다. 그래서 죄를 넘겨받은 양을 comme ça, le péché 죄의 삭성 사망이니까 qui était transmis sur cet agneau, 죽여서 on l'égo sur cet agneau, 피를 흘리고 parce que le salaire du péché est la mort. 하나님의 제단 위에서 Donc, 불 태워서 l'agneau égo le sang. 죄가 있던 사람은 거룩함을 얻게 되었죠. Maintenant, le sacrificateur fait une offrande parce que et puis, le peuple il est devenu innocent et puis il n'est plus le péché, il est juste. 여러분 잘 보셨나요? Voyez-vous? 이게 구약 시대에 죄를 씻는 거예요. C'est ça, expiation du péché. 여러분, 안수하는 거는 넘어가는 거예요. Donc le fait de poser la main, ça veut dire que transmettre. 죄를 지었던 사람이 어린 양의 머리 위에 안수해요. Donc un peuple qui a commis le péché, si il pose la main, ça veut dire que pour transmettre un péché. 그러면 죄가 어린 양에게로 넘어가는 거예요. Donc le péché a été transmis sur cet agneau. 네, 여기 다 목사님들이죠. Donc vous tous, vous êtes leaders chrétiens comme pasteur, n'est-ce pas? 목사님들이죠. Vous êtes pasteur, n'est-ce pas? 성도들은 대답을 잘하는데 목사님들은 대답을 좀 잘 안 하시네. Je pense que vos fidèles répondaient bien, mais les pasteurs ne répondent pas bien. 제가 한국에 가가지고. Donc quand je suis en Corée. 목사님들 저한테 물어볼 거예요. Donc les pasteurs ils vont me demander. 가봉 어떻대? Quel était au Gabon? 아 너무 좋습니다. Donc c'était très bien, c'était bon. 저 2월 달에 또 올 거예요. Parce que tu reviendras en février. 가봉 그리 좋더나? Oh, Gabon c'est très bon. 근데 그 mais, 목사님들은 대답도 안 하고 안 Mais les pasteurs gabonais ils ne répondaient pas trop. 네, 그리 가서 보고 합니다. Comme ça je vais faire compte-rendu là-bas. 자 여러분 목사님 맞죠? En tout cas vous êtes pasteur, n'est-ce pas? 여러분 성도들이 아파가지고 기도해 주세요라고 올 때가 있어요. Voilà, il y a certains moments où votre fidèle demande la prière pour la guérison. 여러분 기도할 때 안수 기도해 보셨어요? Donc est-ce que vous avez essayé de une fois poser la main pour prier? 저는 많이 해요. Moi aussi j'ai pratiqué ça plusieurs 저는 fois. 기도하면 병이 나와버려요. Et puis si je pose la main pour la guérison, voilà, le fidèle est guéri. 내 기도를 다 들어주셔요. Je crois que Dieu exauce tout ma prière. 여러분 기도도 들어주셔요. Dieu exauce aussi votre prière. 그때 이제 머리 위에 안수를 해요. Voilà, maintenant on pose la main sur la tête. 하나님 내게 주신 믿음. Voilà, la foi de Dieu. 하나님의 능력. Et puis la puissance de Dieu. 하나님의 마음이 그 환자에게 넘어가는 거예요. Et puis le cœur de Dieu est transmis à ses fidèles. 그리고 그의 병을 치료하는 거예요. Pour avoir la guérison. 그게 안수 기도예요. C'est ça, le fait de poser la main. Amen. Amen. 그 죄가 있는 사람이. Donc celui qui est pécheur. 양의 머리 위에 안수하면. Voilà. Quand on pose la main sur une victime, 그 사람이 지었던 죄가 예수님 양에게로 넘어가는 sur l'agneau, donc le péché de ce peuple est transmis sur l'agneau. 그 양에게 있는 깨끗함이 donc maintenant ce qui était pur dans l'agneau 이 사람에게로 다시 넘어오고 aussi est transmis sur cet homme. 아멘. 아멘. 예, 이건 레위기 4장에 잘 나와요. En tout cas, c'est expliqué très bien dans Lévitique chapitre 4. 자, 이제 들어보세요. Voilà, écoutez bien. 그런데 요한복음 1장 29절이에요. Mais Jean chapitre 1 verset 29 qui dit 아까 제가 말씀 전할 때 중요하다고 한 게 있었어요. Voilà, il y a aussi l'histoire que je vous ai partagé qui était très importante. 우리는 간음죄에 잡힌 여자 이야기를 하고 있었어요. Donc on était en train de parler de la femme sous prise en flagrant délit d'adultère. 간음죄에 잡힌 여자 이야기는 어디에 나올까요? Voilà, ça se trouve où? La femme sous prise en flagrant délit d'adultère dans la Bible.
요한복음에 나오죠. Jean, n'est-ce pas, Jean? 요한복음 어디에? Où? Dans le livre de Jean, combien? 요한복음 8장. 8장. Jean, 자, Jean 8. 예수님이 성전 안에 들어올 때가 아침, 점심, 저녁 언제였죠? Donc à quel moment c'est entre matin, midi, soir, Jésus était entré la ville? 아침. 나머지는 왜 대답하는 거예요? Mais les autres. 아침, 점심, 저녁 언제였어요? Entre matin, midi, soir, Jésus était entré à quel moment à la ville? 아침이었어요. Le matin, n'est-ce pas? 그게 요한복음 8장이에요. C'est ça dans le livre de Jean. 그럼 요한복음 7장은 언제일까요? Mais Jean chapitre 10, c'est à quel moment? 그 전이겠죠. L'histoire a commencé. Ça veut dire que c'est avant, n'est-ce pas? 6장. 6. Jean 6, Jean 5. 4장. Jean 4. 3장. Jean 3. 요한복음 1장. Jean 1. 그거는 벌써 오래전이에요. Donc ça veut dire que c'est quand même le temps est passé. 여러분 요한복음 1장 29절을 읽어 보시겠어요? Donc lisez une fois, c'est 1 Jean chapitre 1 verset 1. Pardon, Jean chapitre 1 verset 29. 네, 요한복음 1장 29절. Jean 1 verset 29. 네, 여기 안 나올 거예요. 자, 요한복음 1장 29절이에요. Jean chapitre 1 verset 29. 거기 보면 이렇게 돼 있어. 이튿날. Le lendemain. 이튿날이라는 것은 그 다음 날이라는 말이잖아요. Le lendemain, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui s'est passé déjà. 그 전에 무슨 일이 있었던 거예요? Donc il y a quelque chose qui s'est déjà passé avant ça. Donc le lendemain. 그 전에는 무슨 일이 있었냐면 예수님과 세례 요한이 요단강에서 만났어요. Donc Jésus a rencontré Jean-Baptiste au Jourdain. 예수님이 세례 요한에게 찾아왔어요. Donc Jean-Baptiste, Jésus a cherché Jean-Baptiste. 목사님들 잘 알죠? Connaissez-vous bien, n'est-ce pas? 요한은 회개하라. Donc Jean était en train de dire, repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Répondez-vous. 요한은 그렇게 이야기했어요. Jean-Baptiste était en train de dire. 그리고 모든 죄인들이 요한에게 왔어요. Et puis tous les péchés se sont réunis vers eux. 그런데 그날 예수님이 요한에게 온 거예요. Et à part ça, Jésus aussi était en train de venir vers Jean. 그럼 예수님 죄인이에요? Est-ce que Jésus est un pécheur? Non. 예수님 죄인 아니죠? Non, Jésus n'est pas pécheur, n'est-ce pas? 예수님이 요한에게 왔어요. Voilà, Jésus est venu vers Jean. 요한이 세례를 베푸는 곳에 오셨어요. Et puis Jean, il était en train de faire le baptême. 나에게 세례를 다오. Voilà, fais aussi le baptême pour moi. 요한이 안 됩니다. Mais Jean, il a refusé. 안 됩니다. Non. 내가 예수님에게 가야 되는데. Parce que plutôt c'est moi qui dois être baptisé. 예수님이 나에게 오십니까? Mais pourquoi c'est tu viens à moi? 이 이야기는 마태복음 3장에 나와요. Voilà, ça s'est passé dans le livre de Matthieu chapitre 3. Vous connaissez très bien, vous pouvez lire après. 예수님이 말했어요. Et puis Jésus avait dit, 우리가 이와 같이 하여. Voilà, laissez faire maintenant. 모든 의를 이루는 것이 합당하니라. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Ça veut dire? 세례 요한은 부모님이 대제사장이요. Jean-Baptiste, il est le fils de sacrificateur, souverain sacrificateur. 제사장은 서른 살이 돼야 되는 거예요. Mais le souverain sacrificateur doit avoir l'âge de 30 ans. 세례 요한의 아버지가 누가복음 1장에 나오는데. Donc le père de le souverain sacrificateur. 제사장 샤가랴였어요. Jean-Baptiste, il est Zacharie. 지극히 거룩한 지성소에 들어갔어요. Donc il est entré dans le lieu très saint. 천사가 나타났어요. Et puis un ange apparut devant lui. 네 아내 엘리사벳이 아들을 낳을 거다. Ta femme, elle aura un fils. 그 이름을 요한이라고 해라. Il s'appelle Jean. 그래서 엘리사벳이 요한을 임신하게 됐어요. Ainsi, Elisabeth a eu l'enfant. 그리고 6개월 뒤에. Et puis 6 mois plus tard. 그 천사 가브리엘은 마리아에게 갔어요. L'ange Gabriel a dit. 그리고 성령으로 잉태해서 네가 아들을 낳을 건데 그 이름을 예수라 하라. À la Vierge Marie, et puis il a dit, Jésus sera né, et ton nom sera Jésus. 네, 우리 목사님들 똑똑하니까. Qui sauvera le péché du peuple. Voilà, vous connaissez très bien, n'est-ce pas, l'histoire? 예수님과 세례 요한은 나이가 같아요. Donc, l'âge de Jean et l'âge de Jésus, c'était à la même âge. D'accord? Vous êtes d'accord?
세례 요한이 예수님보다 몇 달 먼저 태어났을까요? Mais est-ce que Jean-Baptiste il est né avant quelques mois de Jésus? 6개월. 6 mois, n'est-ce pas? 제사장은 공부해서 되는 게 아니에요. Non, le sacrificateur, on ne peut pas faire sacrificateur pour étudier beaucoup. 아버지가 제사장이면 아들은 제사장. Si son père est sacrificateur, son fils aussi est sacrificateur. 세례 요한의 아버지는 샤가랴 제사장이었어요. Donc le père des sacrificateurs Jean-Baptiste il était Zacharie. 그 세례 요한이 제사장이 되려면 Donc pour que lui-même il devienne sacrificateur. Il doit avoir combien? 30살. 30 ans, n'est-ce pas 30 ans? 그때 예수님은 몇 살이었을까요? À ce moment-là, Jésus avait quel âge? 30살. 30 ans. Jésus 그래서 예수님이 성경에 30살부터 활동을 하는 거예요. Donc à partir de l'âge de 30 ans, Jésus a commencé à faire ses activités. 예수님이 가장 먼저 한 것이 뭐였냐면 Donc la première chose que Jésus a fait 세례 요한에게 세례를 받는 일부터 시작했어요. Il a été baptisé. 그게 무슨 말이냐면 Ça veut dire 세례 요한은 모든 사람을 대표해서 예수님에게 죄를 넘기는 제사장이었어요. Donc Jean-Baptiste, il était un souverain sacrificateur qui prend charge de le péché de l'humanité, le péché de le peuple. 세례 요한에게 세례를 받으러 온 거예요. Donc Jésus était là pour être baptisé. 아까 성전 안에서 그 희생당한 어린 양처럼. Donc comme si Jésus devenait un agneau. 그래서 세례 요한 예수님에게 세례를 베풀 때 안수하게 된 거예요. Donc Jean-Baptiste a posé la main sur Jésus. 그때 세례를 베풀고 난 다음 날 예수님에게 말한 거예요. C'est ça, le lendemain, ça veut dire que le jour où il a été baptisé. 저쪽에서 요한에게 걸어오고 있었어요. Et puis Jean-Baptiste, il a vu Jésus était en train de marcher. 사람들을 모아놓고 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Donc Jean-Baptiste a dit aux gens que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 여러분 이게 요한복음 1장이에요. C'est ça, Jean chapitre 1. 세상 죄라는 거는 le péché du monde. 사람이 태어나서 죽을 때까지예요. Ça veut dire le péché de toute l'humanité à partir de la naissance jusqu'à la mort. 아담에서부터 이 세상이 끝날 때까지가 세상. Et aussi depuis l'Adam comme le commencement du monde et puis la fin du monde. 그래서 이 세상 시작에서부터 끝까지의 죄를 예수님이 지고 가고 있는 거예요. Ça veut dire Jésus a pris toutes les charges de péché à partir de la création du monde jusqu'à la fin du monde. 그래서 여러분 보고 C'est pourquoi à vous 의롭다라고 하신 Jésus a dit vous êtes juste. 여러분에게 거룩하다라고 하신 Et puis, 거예요. Jésus vous a dit vous êtes saint. 예수님은 그냥 말씀하시는 분이 아니에요. Il dit j'étais en prison. Vous êtes venu me rendre visite. Il n'a pas dit j'étais en prison, vous avez acheté les avocats pour me défendre. Sinon quelqu'un dira, moi j'ai pas d'argent pour prendre un avocat pour toi. Nous pouvons aller à la prison. Il dit j'étais nu, tu m'as habillé. Il n'a pas dit j'étais nu, tu m'as amené au prêt-à-porter pour me prendre le costume Pierre Cardin. Non, ce que tu avais, tu me l'as donné. Ce sont des pagnes qu'on a mis sur le chemin de Jésus lorsqu'il est rentré à Jérusalem. Il dit j'ai eu soif. Vous m'avez donné à boire. Il n'a pas dit j'ai eu soif, vous êtes allé acheter l'eau en zar pour me donner. Non, ce que tu avais comme eau, tu as donné au Seigneur. N'est-ce pas? J'étais étranger, tu m'as accueilli. J'ai oublié un point là? Non, c'est ça. Hein? Est-ce qu'il a dit j'étais orphelin? Bon. Même nous savons qu'il est le Dieu des orphelins et des veuves. Ça, c'est déjà établi, n'est-ce pas? Mais dans Matthieu 25, il a cité ces cibles-là auxquelles l'Église doit répondre à donner le vêtement, à donner de l'eau, à visiter les malades, visiter les prisonniers et recevoir l'étranger, n'est-ce pas? Il a dit, quand vous ferez cela, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais l'Église ne s'oriente plus vers ces personnes-là. On a l'impression que l'esprit d'aujourd'hui
nous enlève et nous fait visiter les maisons des présidents, les maisons des gens, pour aller voir le nom de la grand-mère qui était morte il y a 20 ans et tout ça là. Tout ça, on n'en a pas besoin, c'est pas ça l'évangile. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai ouvert cette brèche, encore une fois, pour permettre à ce que nous puissions ensemble, je vous dis ensemble, l'évangile qui est prêché aujourd'hui n'est plus l'évangile. Je connais la semence du réveil de ce pays. C'est pas ça. Nous, si je porte un costume aujourd'hui, c'est par concours de circonstances. N'est-ce pas? On ne visait pas des costumes, on ne visait pas des voitures, on ne visait pas la gloire. On ne visait pas tout ça. L'essentiel, c'était de voir les âmes être sauvées. Que l'évangile soit prêché. Et c'est ça qui a secoué cette nation et les nations d'alentour. Alléluia. Revenons, mes chers amis. C'est vrai que ce message n'est pas populaire. Tout le monde veut être populaire. Et quand on veut être populaire, alors, comme a dit l'apôtre Paul, on libère des messages. Les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Des choses agréables. Je te localise, je te localise. Sois localisé, sois localisé. Mon onction te localise, mon onction te localise. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus, s'il vous plaît. C'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Revenons à l'évangile pur. C'est pour cela que j'ai ouvert cette brèche, pour que nous puissions être en contact avec ces frères et sœurs avec lesquels nous allons rentrer en partenariat. Et je souhaite que tout le monde remplisse les fiches pour que dès lors que nous allons sonner la trompette, que tout le monde soit au rendez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Oui. Et merci encore de votre présence. Et l'offrande qu'on va faire maintenant est une offrande d'alliance avec nos frères de la Corée du Sud. Prenez votre offrande et nous allons donner au Seigneur. En vous rappelant que cet après-midi, avec la révérende Jeanne Monnet, toutes les femmes, je souhaite qu'aucune femme ne rate cette rencontre de cet après-midi à 14h30. Et la dernière grande plénière, je demande à mes collègues pasteurs d'être là également. Je voudrais pousser le cri de la nation ce soir au stade de Zion. Est-ce qu'on peut prendre l'offrande? Je voudrais donc apprécier surtout la présence de mes... Vous savez, il y a beaucoup d'enfants dans le ministère. Nous avons ceux de la première génération qui sont là. Pasteur Matiendi, Nzamba Nzamba, j'ai vu qu'il y a encore, ça c'est ceux de la première génération, mais j'ai mes collègues avec qui, en 1984-85, le Seigneur a saisi ces groupes de jeunes, des enfants, sans vision, sans ambition, mais Dieu a fait d'eux, n'est-ce pas, des instruments. Vous ne les connaissez pas tous, mais vous devez les connaître, n'est-ce pas? Je vois Madame Gomlor qui est là. Maman Laure, si tu peux te lever, s'il te plaît. Voilà. Comment ne pas citer son illustre mari, Serge Ngom, qui peut se lever. Voilà. Je pense que lui, tu avais 21 ans ou 22 ans en 84-85. Voilà, il était un peu plus âgé que nous de quelques mois. Voilà. Mais le moins âgé avait presque 15 ans, n'est-ce pas? Qui avait 16 ans? Hein? 9 ans. 9 ans. Le moins âgé avait 9 ans lorsque le Seigneur a déclenché le réveil des années 80. Vous devez les connaître, n'est-ce pas? Hein? Je vois Madame Piebi. Oh là là. Patricia, s'il te plaît. Ma petite sœur à moi, lève-toi et nous voulons bénir le Seigneur pour ta présence. Gloire à Dieu. Une femme extraordinaire que nous portons à cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai vu qui encore? Mes yeux, on n'a plus 40 ans, hein, c'est fini. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai oublié là, que je ne vois pas? Non, je crois que c'est ça.
Le pasteur Alain a bougé, il est déjà au stade pour la rencontre avec les jeunes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et il y a les premiers enfants qui sont là. Madame Kemoué, où est-ce qu'elle est? Tu as vu Madame Kemoué? Elle est là, Maman Kemoué, juste derrière toi. Voilà. Reste debout un peu. Parce que c'est avec elle que nous avons engagé, je pense, en 1990-91, les enquêtes sur les enfants de la rue. Parce qu'il y a les enfants dans la rue et les enfants de la rue. C'est différent. Et un travail extraordinaire qui a mené des conversions. Et beaucoup aujourd'hui sont des pasteurs. Parce qu'ils étaient des enfants dans la rue et les enfants de la rue. Sans compter le travail à la prison centrale. Nous allons réveiller et relancer ces activités. Parce que là, maintenant, il y a beaucoup d'ouvriers. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'ouvriers. Maintenant, les ouvriers sont là. Alors, l'action va être engagée. Que Dieu te bénisse, Maman Kemoué. Waouh. Akigé. Amwanda. Mais mon Dieu, lève-toi, s'il te plaît. Un haut cadre de Comilog. Et lorsqu'il fallait déclencher le réveil à Amwanda, voilà un homme. Hein, qui continue à servir le Seigneur. J'ai cité Nzamba Zamba, j'ai cité Pasteur Matiendi, qui je ne vois pas, de la première génération. Je ne vois pas qui là. Ah, il y a, voilà, le pasteur Maniaga, Syriac, s'il te plaît. Oh là là, c'est lui qui a secoué la ville de Makoku avec l'évangile. Ah oui, vous devez les connaître, même si ils ne portent pas des titres de archibishop. Et évêque, mais voici les vrais évêques de ce réveil, sans titre. Je voulais vous honorer en honorant tous les serviteurs de Dieu qui sont là, mais c'est important que vous connaissiez ces hommes et ces femmes. Parce que les gens racontent l'histoire du réveil au Gabon, ils ne l'ont même pas vécu, ils ne savent même pas comment, par quelle piste et chemin le Seigneur a conduit. Vous êtes bénéficiaires de ce réveil. Que Dieu vous bénisse. Prenez votre offrande pendant que la chorale. Ah! Donc votre chant va aller jusqu'en Corée. Chantez encore bien. Voilà, on va aller jusqu'en Corée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes reconnaissants pour la parole que nous avons écoutée. Donc c'est un chant de reconnaissance pour vraiment tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Comme le dit la chanson, avant, j'errais dans un monde dur et froid, mais voilà, Jésus nous a sauvés. Amen. J'errais dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. J'irai sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté. Sous le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité, à Christ enfin j'ai tout confessé, à Golgotha. Croyant sous le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité, à Christ enfin j'ai tout confessé, à Golgotha. Oui, c'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté, à Golgotha. Oui, c'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté, à Golgotha. Maintenant à Christ j'ai tout donné,
Maintenant tout en moi peut chanter. Maintenant la vie a commencé. Adore-toi maintenant. Inviter le pasteur Satis Tempé qui nous vient du Congo Brazzaville. Et je le fais monter pour prier et profiter de l'occasion également pour vous dire que on n'a pas besoin pour faire avancer l'œuvre de Dieu de s'imposer une titrologie qui devient ridicule. Je dis bien ridicule. En 1987, beaucoup parmi vous n'étaient pas encore nés. Qui était déjà né en 87? Lève la main. Moi, je suis dans l'esprit, hein? Je ne suis pas dans la chair. Je ne parle pas d'être né dans la chair. Je suis d'être né dans l'esprit. Qui était déjà né dans l'esprit? Né de nouveau en 87. Il n'y a pas beaucoup. Quand j'ai entendu la voix de Dieu dans ma chambre à l'université de sciences et techniques de Massoukou de Franceville, Dieu me dit, lève-toi, va à Brazzaville. Je n'avais jamais voyagé. Je n'avais jamais vu un passeport. Je n'avais jamais quitté mon pays. J'ai commencé à me renseigner. On m'a dit, il faut aller à Mwanda, de Mwanda à Bakumba, de Bakumba jusqu'en Binda. J'arrive à la frontière de Mbinda, on me demande les papiers, je n'en ai pas. On me renvoie à Mwanda pour aller chercher un laissez-passer. Je vous passe de tous les détails. Comment le Seigneur, ce voyage m'a coûté 5 jours. Mes parents ne sont pas au courant, personne n'est au courant à l'université, je n'ai avisé personne. 5 jours, quand j'arrive à Brazzaville, par train, par voie terrestre. J'ai une adresse qui s'affiche. Quartier Makelekele, rue Fulbert Youlou, village 210. Le taxi me dépose là. Je cogne à la porte. C'est une jeune dame qui vient. Vous connaissez Marlène? Qui vient ouvrir la porte. Je me présente, je suis le frère Gaspard, je reviens de Libreville, je suis venu vous annoncer l'évangile. Elle referme la porte, 6 heures du matin. 5 minutes après, c'est son père, Papa Ndoulou, qui vient ouvrir. Bonjour jeune homme, je suis le frère Gaspard, je reviens de Libreville, le Seigneur m'envoie venir vous annoncer l'évangile. Il est choqué, il dit à sa fille, bon, amène-le chez tes oncles là-bas, là, qui... sont venus ici, veulent parler de Dieu, je ne sais pas de quoi ils parlent. Amène-le là-bas. Je vous passe de tous les détails. On m'amène et je trouve 5 monsieur costauds. Ils faisaient du yoga. Ils faisaient du yoga. Marlène me présente en disant, voilà un frère, il revient du Gabon, il est venu, papa m'a demandé de venir vous le donner, il veut vous parler de Dieu. Ils se sont mis à rire, tous. Il y a un qui m'a dit quand même, parle. Ah, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Il y a un qui m'a dit, parle quand même, assois-toi, parle. C'est ce qu'il ne fallait pas
fait. Et dès qu'ils m'ont donné la parole, en moins de 5 minutes, le Saint-Esprit est descendu. Et beaucoup m'ont attaqué. Ils se sont dit que leur puissance du yoga était supérieure parce qu'ils étaient à une dimension extrêmement élevée. Extrêmement élevée. Mais ils ont été foudroyés tous. Et c'est leur conversion. Et c'est là qu'est né le réveil à Brazzaville. Je suis resté pendant 5 jours d'enseignement. Nous, on n'avait pas beaucoup de révélations, n'est-ce pas? Les 4 lois spirituelles. On a enseigné les 4 lois. J'ai enseigné les 4 lois spirituelles. Et après, il fallait refaire demi-tour pour revenir à Franceville. Je suis reparti pour la première croisade au cinéma Le Vogue. Toi, tu n'étais pas encore né. Voilà. Et ces 5 personnes, parmi eux, vous avez l'évêque Miyuna. Vous avez le pasteur Bassompa, Léan. Vous avez Papa Kibouji était avec nous. Voilà, Papa Kibouji était parmi les 5. Papa Mampouya. Et le frère Ngom. Voilà les 5. C'est de là et dans cette petite maison que le réveil a été déclenché à Brazzaville. Ils ont fait eux-mêmes l'histoire du réveil du Brazzaville et ils sont tombés d'accord qu'avec toutes les visitations qu'ils ont eues, le père du réveil de Brazzaville, c'est celui qui est arrivé en telle année. Et toutes les églises de Brazzaville, la quasi-totalité, viennent de l'église Philadelphie. N'est-ce pas? Vous pensez que ce que je viens de raconter là ne mérite pas que je porte un titre? Hein? Ça doit me donner quand même un titre. Hein? Voilà. Je dois porter un titre quand même. Avec un chapeau et un bâton quand même pour vous dire que voilà. Hein? Parce que beaucoup n'ont pas fait ça. Si je vous parle de la Guinée équatoriale, regardez la délégation de la Guinée équatoriale. Mettez-vous debout, Guinée équatoriale. La délégation Guinée équatoriale. Voilà. Des hommes qui servent Dieu. Voyez-vous. En fait, ce n'est pas pour faire ma publicité, loin de là. C'est pour vous dire que la titrologie bloque l'avancement du royaume de Dieu. Servons le Seigneur et apportons l'évangile de Jésus. Amen. Levons-nous pour la prière. Pasteur Tempé. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces offrandes que ton peuple a apportées pour l'avancement de ton œuvre. Au travers de ces offrandes, ton nom est glorifié. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné et nous te donnons ce que toi-même tu nous as donné. Merci parce que tu bénis encore tes enfants et que ton œuvre avance au travers de ces offrandes. Merci pour ton peuple et le cœur de ton peuple que tu as disposé pour toujours te donner. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous sommes donc arrivés au terme de cette rencontre. Nous allons nous retrouver au stade Zion pour la dernière plénière. Et je souhaite vraiment vous avoir pour que je puisse pousser le cri pour notre nation, le cri pour l'œuvre de Dieu dans ce pays. Et nous prierons pour les malades et tous ceux qui ont besoin du toucher de Dieu. Demain, les cultes vont se faire dans nos églises. Je présente les excuses de la mission parce que normalement il devait repartir lundi et j'avais 2 prédicateurs que je devais envoyer dans des églises, dans vos églises partenaires, des églises partenaires, mais ils sont tenus de retourner pour une urgence au niveau présidentiel
en Corée du Sud. Ils ont été appelés et ils sont obligés de retourner urgemment. Donc ils prennent le vol là à midi, éthiopienne, pour arriver en Corée. C'est long, un long voyage, car lundi, ils doivent être reçus. Donc demain matin, nous sommes dans nos églises. Nous vous demandons d'informer sur le grand concert que nous organisons demain soir en faveur de la santé mentale. Puisque je vous ai devant moi, pasteur, homme et femme de Dieu, j'ai envie de dire en vos rangs grades et qualités. La situation de la santé, de la maladie mentale, pour ne pas dire la santé mentale, dans notre pays est gravissime. Le nombre de fous que vous voyez sur les rues de Libreville, mangeant dans la poubelle, n'est même pas le 1/10 du nombre de personnes malades qui sont enchaînées dans les maisons. Les familles sont désemparées. Le gouvernement n'a aucune réponse à cela. Combien de ministres j'ai secoué et proposé des projets de résolution de cette problématique, mais aucun ne s'intéresse. Depuis le ministre Boukoubi, ça date, avec des plans pour que nous puissions donner de la dignité à nos frères et sœurs. Vous savez, en Guinée équatoriale, à Malabo, il y a le centre de prise en charge des malades mentaux qui est en trois grandes zones. Il y a la zone des fous qui sont encore agressifs, il y a la zone des malades stabilisés et il y a la zone des malades restaurés, totalement guéris. Et quand ils sont totalement guéris, restaurés, on ne les renvoie pas tout de suite dans leur famille parce que ce n'est pas évident que les familles les acceptent. On les entretient, on leur donne du boulot, on les réinsère et eux-mêmes, naturellement, lorsque la famille voit, ils retournent chez eux. Mais un tel plan présenté au Gabon, est-ce qu'on est incapable de faire ça? On n'est pas incapable de faire ça. Mais allez-y à Malène voir comment ceux qui sont fous qu'on vient de récupérer, comment ils sont dans des chambres à verrou de fer, entassés. On vient d'avoir un décès où ils se sont bagarrés entre eux. Il y a un qui est mort. Il faut que là où le gouvernement est impuissant, que l'Église apporte la réponse. Et c'est ce fardeau que nous avons depuis sept ans déjà. Nous nettoyons l'hôpital de Malène, leur espace de vie là où ils sont internés. Les malades, nous les lavons, nous les coiffons, hommes comme femmes. Nous les habillons, nous donnons un repas par jour. À près de 150 malades, un repas par jour. Par jour, ils doivent manger. Parce que les médicaments qu'ils prennent sont quand même des médicaments assez forts. Mais comment le gouvernement gabonais qui donne ces médicaments aux malades ne peut pas assurer l'accompagnement alimentaire? C'est insoutenable. Nos équipes sont là-bas tous les jours. Au moment où je vous parle, nos équipes sont à Malène pour donner de la dignité à toutes ces personnes. Je voudrais que lorsqu'on porte un tel fardeau, que ça soit partagé à tous les collègues pour qu'ensemble, nous puissions donner une réponse forte. On dit au Gabon que l'Église fait quoi? On nous traite de voleurs, on nous traite de voleurs de dîmes et tout ça. Hein? C'est même arrivé au niveau où on pense même que nous sommes des assassins. C'est très grave. Je crois que dénoncer la politique, dénoncer, c'est bien. Mais la politique qui dénonce,
n'est pas différente au syndicat et à tous les partis politiques que l'Église cesse de dénoncer, mais que l'Église dénonce au travers des actions que nous menons sur le terrain. Moi, je préfère cette dénonciation que d'aller à la télévision insulter le gouvernement, insulter ceci. Non. Et vous voyez, quand je parle comme ça, il y a des gens qui disent, oh, il est pour le pouvoir. Il soutient le pouvoir. Quel pouvoir on va soutenir? Un pouvoir comme ça, on va le soutenir? En passant par où? Vous allez attraper quel bout pour le soutenir? Quel est le bout que vous allez attraper? Il n'y a pas de bout qu'on peut attraper pour soutenir. Il n'y en a pas. Je le cherche ce bout-là, mais je n'en ai pas trouvé. Si vous trouvez, venez me dire qu'on peut attraper là. Et on va essayer d'aller attraper. Mais je n'en connais pas. Donc c'est pour dire que il y a tellement de situations sur le plan social que l'Église ne peut plus rester entre les quatre murs, prêcher notre évangile, alléluia, amen, et on rentre chez nous. Non. Donc je voulais vous partager ce fardeau en faveur de la santé mentale, et c'est pour ça que nous allons faire ce concert. La dernière édition en 2018, la collecte que nous avons eue et le dîner gala que nous avons organisé nous a permis d'avoir de l'argent, et avec cet argent on a construit le laboratoire qui devient aujourd'hui le laboratoire de référence à l'hôpital de Melaine, puisque le grand hôpital et même l'hôpital militaire, ils envoient des gens aller faire des examens dans ce laboratoire que nous avons construit pour les malades mentaux, pour les malades mentaux. Pourquoi on a construit ce laboratoire? C'est parce que ils prennent les médicaments, ils sont, bon, passez-moi l'expression entre griffes, ils sont fous. Ils prennent les médicaments de folie, mais ils peuvent avoir la fièvre, ils peuvent avoir d'autres maladies. Et on doit contrôler le dosage des médicaments qu'ils prennent. Il y a un suivi médical qui doit être fait. Mais aucun laboratoire n'acceptait, ne fût-ce que les prélever, parce qu'ils sont fous. Même pas à l'hôpital général, parce qu'ils sont fous. Alors, il fallait donc leur permettre d'avoir leur laboratoire. Et c'est l'Église. J'avais remis clé en main. Clé en main. À celui qui est ministre de la Santé aujourd'hui, il était secrétaire général du ministère de la Santé, Guy Patrick Obiangdon. Clé en main, avec un matériel d'informatique équipé. Vous allez à Melaine, vous allez trouver ce laboratoire qui fonctionne. Cette année, nous voulons construire une aumônerie sur place pour nous permettre de les soutenir, d'avoir des cultes que vous irez prêcher là-bas pour nous ensemble, pour accompagner ces personnes. Nous allons construire cette aumônerie avec les sous que nous allons récolter pendant ce concert. Si ça donne beaucoup, on pourra aller jusqu'au bout de ce projet. Et il y a tout ce qui est tuyauterie, plomberie à l'hôpital de Melaine. Tout est bouché. Tout est bouché. Donc, nous voulons refaire toute la plomberie de l'hôpital du centre psychiatrique de Melaine. Et avec d'autres interventions que nous voulons mener et continuer à les nourrir, à les laver, à les coiffer, à les habiller. C'est un grand projet. Et encourager les gens à venir au concert, c'est leur contribution. C'est leur contribution. On pourrait faire un concert gratuit, mais c'est une contribution pour participer à la prise en charge de la santé, de la maladie mentale, et promouvoir la santé mentale dans notre pays. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que sa paix et sa grâce nous accompagnent et soient avec nous. À tout à l'heure au stade de Nzayon. Merci de votre aimable attention.